Stéphanie. Il est parti au marché. Voyou. Rater quelque chose. Oh là là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, actuellement, je suis à la boucherie. J'étais au marché ce matin. Imen n'a pas pu venir parce qu'elle est un peu fatiguée. Là, je vais passer à la boucherie. Je vais aller prendre un peu de viande, un peu de kefta, blanc de poulet et un petit peu de veau. Et voilà. Je pense que quand je rentrerai, Imen vous montrera les courses. Ça va? Toi, tu les as vus ce matin? Ouais, moi je les ai vus ce matin. Ouais, je suis pas partie avec lui au marché. Enfin non, moi je n'ai pas été avec mais toi. Mais moi j'étais avec eux. Ah oui, 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 pour le coup, vous les avez, enfin vous, il vous a accompagné, vous l'avez accompagné, mais c'est plus ça que je voulais dire. Donc ouais, trop cool, il est parti au marché parce que... Tu m'as pas accompagné cette fois, normalement c'est une tâche qu'on fait tous les deux. Tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout ce qui est course, etc. C'est vrai qu'on aime bien faire ça ensemble. Mais là, j'avais pas la force, mais au moins je me suis avancée sur la maison, ouais, j'ai fait le bien. Ménage, tout ça, donc. Ah, bien fait. Donc voilà, donc je vais vous faire le petit retour de course d'Ayoub. Il fait très bien ça. Manger. Oui, bah vas-y. On va préparer du kefta qu'on a acheté tout à l'heure. Ok, d'accord. Ouais, carrément. Ouais, donc c'est vrai que le choix des légumes, des fruits, etc. Ayoub fait bien ça. Même limite, il le fait mieux que moi, même quand on part ensemble. Bah non, quand on part tous les deux, c'est toujours toi souvent qui choisis. Ouais, les légumes. Mais j'ai besoin de ton aide quand même. Oui, non, mais je veux dire, tu me comprends, genre ouais. Quand tu, par exemple, les, je sais pas moi, les, je sais pas. Les tomates. Les tomates, les avocats, etc. Ouais. Tu sais bien quand elles sont mûres, ouais, quand elles sont à consommer, ouais, ou faut attendre un petit peu. Bon. Je pense que vous avez saisi le truc, ça sert à rien que je débatte dessus. Donc, pour faire le petit retour de course marché, donc, il a pris des avocats. Donc, c'est des petites avocats comme ça. Et c'est vrai que celles-ci, je les trouve plus bonnes que les très, très grosses. Voilà, ensuite, ici, on a du citron. Là, on a des choux-fleurs. On a des oignons rouges. On a des tomates normales. On a pas mal de menthe ici. On a une patate douce parce que je lui ai fait une petite liste aussi de courses. Parce que j'ai fait des petits menus voilà, de semaine. Et justement, j'avais besoin d'une patate douce, donc bah, il m'en a pris une. Ici on a des gros poivrons verts parce qu'en fait je les voulais de cette taille là pour faire bah, des poivrons farcis. Ensuite ici on a des brocolis, là on a des poivrons rouges ou piment rouge. C'est quoi ça, Ayoub? Des poivrons, c'est pas des piments. Ok, bon, il y en a beaucoup, mais on va partager avec ma maman. Ici on a deux poireaux, là on a du kefta. Non, ça c'est pas du kefta. Ça c'est du blanc de dinde. Ok, donc blanc de dinde juste ici. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le kefta, c'est ça que je cherchais. Donc le kefta est là. Ici nous avons du veau. Voilà, pour faire bah, des petits tagines. On a des petites fraises. Là on a de la coriandre, du persil et de la menthe. Voilà, donc je crois que c'est tout. Oui, c'est tout pour les courses. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les choux-fleurs, je vais les nettoyer, etc. Pareil pour les brocolis. Et après, je vais les faire cuire à la vapeur. Ensuite, bah, je les mettrai à congeler. Voilà. Et puis, quand j'en aurai besoin, je les sortirai. Ce sera toujours plus pratique dans le sens où ce sera plus rapide. Et puis, je vais hacher ça, ça. Et puis, bah, la menthe, je la laisse de côté. Voilà, voilà. Bref, je vous laisse. Je vais aider Ayoub qui est en train de commencer à préparer le repas du midi. Enfin, du midi. Il est presque 14h. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, pas mal. T'as mis quoi comme épice? J'ai mis du cumin, du poivre, du sel, du piment doux. Ouais. Et, du gingembre, non? Non, j'ai pas mis de gingembre. J'ai mis de... Ça, c'est de... Ah, de l'ail en poudre. L'ail en poudre et de l'oignon en poudre. Ok. Avec la petite salade qui est restée d'hier. Ouais, bah c'est très bien. C'est parfait. Super, bon, à tout à l'heure. Je sais pas si je vous ai montré aussi, mais Ayoub a pris du gingembre. Voilà, j'ai zappé de vous le montrer. Il était à côté, je pense qu'il était caché par, je crois, les citrons. Bon, voilà, donc là, je les ai découpés, je les ai nettoyés. Et puis là, je vais les mettre à cuire à la vapeur, comme je vous ai expliqué. Donc là, ça y est, j'ai aussi haché le persil et la coriandre. Moi, j'aime bien les mettre ensemble. Normalement, il faut les mettre séparément. Mais c'est vrai que moi, je les utilise dans tous les repas. Donc à chaque fois, je les mets bah, directement ensemble. Thank you.
Allô? Oui, ma chérie, ça va? Ça va et toi? Oui, t'as envoyé un snap, mais je pense que t'as pas dû voir. Ah non, franchement, là, je suis pas sur mon téléphone. D'accord. C'est... Pourquoi? Bah, je te disais si tu voulais venir plus tôt à la maison. Bah, là, je suis en train de me lisser les cheveux. Dès que je me lisse les cheveux, je me maquille un petit peu et puis j'arrive. Ok, bah c'est bon. Bah, moi, là, je rentre, donc tu viens quand tu veux. Hein. Ok, sans souci. Bah, je t'envoie un petit message dès que je sors de la maison. Oui, tu me dis quand tu pars et puis on part de chez moi vers 8h. Ouais, ouais, carrément. Ouais, ok, hein, c'est on fait comme ça. Bah écoute, moi je suis chez moi dans 20 minutes, donc tu viens quand tu veux. Ok, bah de toute façon, je te préviens, je t'envoie un petit message, ok? Ok. Bon, bisous, vas-y, bisous, Bichette. À tout à l'heure. Okay, bisous, à bisous, tout. À toutes. Ciao. Bon, alors là, on est en train de prendre des photos parce qu'on organise un concours avec elle, avec madame. Donc voilà, on va prendre quelques photos. Ensuite, on est invité chez ma soeur parce qu'elle fait sa crémaillère, donc on va pas tarder à y aller. Et puis voilà, je vais vous montrer tout ce que ma mère a fait à manger parce que c'est elle qui a tout cuisiné. Elle a fait des briques, tout ça. Donc ça va être trop trop bon. Et puis Ayoub, après le boulot, s'il peut, il nous rejoint directement. Il est fatigué, le pauvre. Ouais. Voilà, voilà. Donc bah je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la soirée. Stéphanie, viens, déménagement. Grave. Viens, on mange tout et on arrive là-bas et on dit, oui. Bah écoutez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, désolé. Il n'y a plus rien. On a tout là devant les pieds. Surtout les briques. Il y en a ici, il y en a dans le coffre, partout. On dirait on va nourrir la France entière. Je te jure. Bon, allez, là on a un petit peu de route et puis bah on vous retrouve à la maison. Alors pour commencer, voici les briques. Donc là ma soeur elle est en train de les faire chauffer. Franchement je ne saurais pas vous dire, il y a des briques à quoi, je crois il y a viande hachée, il y a poulet, il y a thon, bref il y a pas mal de choix. Regardez Stéphanie. Je t'ai pris en flag. Là aussi il y a des briques aux épinards chèvres. C'est bon. On va vous rater quelque chose. Une belle salade aussi. Là aussi on a une salade. Là on a des petites quiches. Une autre salade. Encore de la salade. Des petits fruits. Et puis bah écoutez, encore de la salade, des petits fruits. Et puis voilà. Maintenant, il est 3h30, on vient de rentrer, on a passé une excellente soirée, c'est vraiment bien. Je suis KO, là je vais, je pense, très bien dormir. Oh, franchement ça va me faire du bien là d'être bien fatiguée là pour passer une bonne nuit de sommeil, pour être sincère et transparente avec vous, là... Pour moi, ce soir, il n'y a pas de montage. Ah non, c'est pas possible du tout. Là, j'ai juste envie de fermer les yeux. Donc, demain, je m'accorde quand même. Enfin, je vais essayer. Bon, là, vu l'heure, je pense que je vais me lever pas trop tard. Mais j'ai quand même envie de dormir un petit peu. Parce que bah, demain, ça reste dimanche quand même. Et ouais, je vais essayer de me lever vers 9h30, 10h. Comme ça, j'aurai peut-être le temps de... monter le vlog pour vous le poster pour dimanche 14h. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, je vais me vêtir de mon pyjama. Puis, il y a un concours sur mon compte Instagram à 18h. Donc, bah soyez au rendez-vous. Et d'ailleurs, je vous ai même pas montré. Alors, attendez. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Mais Stéphanie m'a offert ce bracelet. Elle a dit c'est la clé de notre amitié. Voilà, c'est trop mignon, c'était pour mon anniversaire, parce que pour mon anniversaire j'étais encore en Espagne et
Le bracelet, si vous vous demandez, vient de chez Histoire d'Or. Voilà, très joli, très raffiné, très fin, j'aime beaucoup. Bref, je vais vous laisser pour ce vlog. Ayoub, oui. Tu viens avec moi? On va leur dire au revoir. Ayoub, il a toujours la pêche, Moskine. Enfin, non, oui, de là, oui, non, mais dans le sens où t'es toujours le sourire, t'es toujours au taquet. Il faut. Bon, on espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, le petit commentaire. Et puis, nous, on vous embrasse très, très fort. Et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.